Racing Club de Cannes. On sait que c'est une bonne équipe qui est physique et classée en haut de classement. Après, on est dans une bonne dynamique avec nos victoires consécutives et je pense qu'on est capable de faire une bonne prestation. Surtout avant la trêve de Noël, on a envie de finir sur une bonne note. Et je pense qu'on a toutes les armes pour se battre là-bas et gagner. Le début de saison, je pense que c'est juste qu'on a eu plus de temps, notamment avec la pause de 40 jours où on n'a pas pu jouer, de développer mieux notre identité de jeu, d'avoir plus de repères entre nous, d'automatisme, mieux se connaître aussi. Voilà, je pense que ça a permis de développer aussi une plus grande force mentale et technique, individuelle et collective. Et voilà, le fait aussi d'avoir gagné des matchs en 5-7, revenir d'un 2-0, etc. C'est des matchs où il faut montrer du caractère et c'est ce qu'on a fait. Et c'est sur ça qu'on travaille aussi tous les jours. Et voilà, pendant cette pause, on a pu travailler beaucoup à l'entraînement et maintenant ça se voit parce qu'on peut rejouer des matchs. Simplement. Mes objectifs cette année, c'est de prendre en connaissance grâce au nouveau coach, au nouveau staff, aux nouvelles joueuses aussi, et de gagner ma place sur le terrain, de l'ancrer. Et je suis encore jeune, donc je peux progresser dans tous les secteurs, donc progresser globalement. Je sais, on sait que vous nous regardez, vous nous supportez à travers les écrans. On espère vous retrouver très vite en janvier dans le gymnase, le Palais des Victoires. Et en attendant, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année.